Nzambe nanga yonde bikamwa natalelio elonga nanga Nzambe nanga
Non, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. On a dit que tout genou fléchisse devant Dieu. Il faut que nous, vous savez, mes bien-aimés, le moment d'adoration, c'est le moment le plus important où Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Si tu es vraiment dans les profondeurs d'adoration, Dieu peut te toucher. Tu peux venir ici malade, mais à travers seulement l'adoration, tu es guéri, sans que personne ne te touche. Amen. Amen, hein? Amen. Il faut que nous puissions quand même changer notre manière à se comporter devant Dieu. Nous ne sommes pas devant un homme, mais nous sommes devant Dieu. Si tu veux te mettre debout seulement pour quelques minutes, je pense que ton esprit sera content. Amen. Amen. Et j'espère que tout le monde, on va le faire pour la gloire de Dieu prochainement. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Comme notre temps est avancé, et nous allons passer directement dans les paroles de Dieu d'aujourd'hui. Gelijk door naar de preek van vandaag. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Le nom de Jésus. Alleluia. Les autres ne savent pas. Alléluia. Amen. Si on dit, mais c'est le nom qui périt, on dit, le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. C'est le seul nom qui guérit. Si on dit le seul nom qui bénit, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Pour les Néerlandais, vous pouvez dire Jésus is lekker. Si tu as déjà essayé. Amen. 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 Ok, nous passons directement dans notre moment de prédication. On va gelijk door naar ons moment van de preek. Fermons nos yeux, nous allons prier. Sluit onze ogen en gaan bidden. Yahweh, Papa, Zamenakuya, Sanjolama. Sanjalama mukolo ya dilo papa. Oh Yahweh, Zambianku ya. Oh Sanjalama ya. Sanjalama na dilo pana yo Yahweh papa. Hey Yahweh, Zambianku ya. Oh Yesu, Sanjo la Maria, Sanjo la Matoko Yembe Gayo, Yahweh, Papa. Oh Yahweh, Zameya, Sanjo la Maria, Tane Abiso Eto Yembe Liyo, Yeah.
Parle-moi à travers cette parole qui va sortir cet après-midi. Est-ce que tu abandonnes ton cœur entre les mains de Jésus? La Bible dit que c'est lui qui parle, qui connaît ton problème, qui connaît le son de ton cœur et ton esprit. Parle-lui maintenant, le bien-aimé, parle-lui maintenant. Parle-lui maintenant, que mon Dieu parle à moi. J'ai besoin de toi, le bien-aimé. Dieu a dit que j'ai besoin de toi. Roko Masaka Masheka. Tu me transmets tes paroles, tu me divines, tu m'enseignes, parce que tu es mon Dieu. Yes. Comme yes. Ta parole dit qu'il envoie la parole et la parole a guéri. Guéris-moi éternellement, mon Dieu. Guéris-moi spirituellement, mon Dieu. Guéris-moi. Merci pour ce moment merveilleux, parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment que nous voulons maintenant passer devant la table. J'ai besoin de ce que tu as préparé une table prévue pour moi. Et cette table est là pour la gloire de Dieu. Et nous croyons éternel, notre Dieu, que tu agis. Est-ce que maintenant, Dieu, et la mouvance du Saint-Esprit commence à envahir cette salle maintenant. Et chacun soit touché. Que son cœur, Seigneur, soit, Seigneur Jésus, préparé pour accueillir cette parole qui va sortir maintenant. Que l'homme s'efforce éternel que Jésus, que toi l'éternel apparaisse maintenant. Parce que Seigneur, si nous avons laissé nos maisons et venu dans ce lieu, c'est pour t'écouter. Et que la Bible dit, l'homme donne seulement que celle qu'il a. Et que moi je lui ai donné Jésus. Mais Seigneur, je demande une option particulière ce soir. Pour que Seigneur, tu me communiques le pensée de Dieu et que ces pensées, je puisse les donner à ton peuple par le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Dieu. Merci pour le cœur, Seigneur, pour le cœur qui sont déjà prêts pour accueillir cette parole. Alléluia. Et laisse que Seigneur, cette parole puisse porter du fruit dans nos cœurs par le seul nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez divulguer un peu les chauffages, s'il vous plaît? C'est un péché ou non? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok, ne sois pas distrait. Nous entrons maintenant dans la parole de Dieu. We gaan nu door met onze preek voor vandaag. Et comme tout le monde le sait déjà. En zoals iedereen zal weten. Et que nous sommes en train de parler de l'église. Dat we hebben over de kerk. Nous avons parlé de l'église en tant que famille. We hebben gepraat over de kerk als een familie. Nous avons parlé de l'église en tant que famille de que non l'église de dimanche. We hebben gepraat over de kerk als de j'ai essayé de montrer le dimanche passé le blocage de mire dans l'église. En ik heb proberen uit te leggen vorige week zondag. Et pour ceux qui ne sont pas qui n'étaient pas là avec nous. En degene die er vorige keer niet waren. Je vous invite d'apprécier notre site qui est ardaye.com.net. Leiden zonder N. Et là, tu peux suivre toute la prédication pour la gloire de Dieu. Daar kan je alles volgen voor de gloire van God. Et toutes les trois prédications sont déjà là. Alle drie preken zijn al. Vous pouvez les suivre pour la seule gloire de Jésus-Christ. Et jullie kunnen volgen voor de gloire van God. Aujourd'hui, je ne vais pas retourner derrière parce que notre Dieu, notre temps est tellement avancé. Want vandaag wil ik nu teruggaan, want onze tijd is al bijna. Et j'aimerais que nous, aujourd'hui, nous puissions tous ensemble
parler de quelque chose. En ik mag aan dat we vandaag in de plaats van iets. Le texte principal de cet enseignement est seulement 1 Timothée chapitre 3 et verset 15. Het onderwerp van dit verhaal wat ik ga vertellen is 1 Timothée. Et ça fait presque 4 semaines que nous lisons toujours le même verset. En het is al bijna 4 weken dat wij hetzelfde stukje aan lezen. Dans cet verset il y a des choses très importantes. Maar in deze stukjes zijn de hele belangrijke. La Bible nous dit que lorsque j'ai tardé. De Bijbel zegt dat wanneer het lang duurt. Et que tu sauras comment te conduire. Dan zal je weten hoe je moet gedragen. Dans la maison de Dieu. In het huis van God. Et cette maison qui est l'église de Dieu vivant. En dit huis is de kerk van de levende God. Et la colonne la de pluie de la vérité. Het is de pilaar van het fundament van de waarheid. Alleluia. Amen. C'est un verset que on peut même citer sans même regarder dans la Bible. Het is een stuk dat je altijd leest. Et tu sauras comment te conduire dans l'église. Wanneer het lang duurt, weet je, je moet vandaag in de kerk. Et j'ai parlé comme je viens de le dire. En ik heb gepraat zoals ik net had gezegd. Essayer de montrer l'église en tant que famille. Moet de kerk laten zien als een familie. J'ai essayé de montrer l'église de Dieu vivant. Il faut que l'église de Dieu vivant vit. Que la vie de Jésus soit là. In de kerk van de levende God moet het leven van Jezus aan zijn. Aujourd'hui, nous allons parler de la colonne. Maar vandaag zullen we het hebben over pilaren. Et je vais parler de qualité de colonne. En ik zal het hebben over kwaliteiten van de pilaren. Parce que les colonnes ont des qualités. Want pilaren hebben kwaliteiten. Et avant que je parle de colonne. Maar voordat ik ga hebben over pilaren. Éclairer quelque chose. Donc iets goed zichtbaar maken. Lorsque Paul parle ici de colonne, la foi de la vérité. Wanneer Paul heeft over pilaar van het fundament van de waarheid. Il parle pas de colonne qui tient la maison. Heeft niet over pilaar die een huis was. Mais Paul parle de toi et moi. Maar Paul heeft het over jij en ik. Et que toi et moi, il faut que nous soyons des colonnes. En dat jij en ik een pilaar moeten zijn. Pas des colonnes de la maison. Geen pilaar in huis. Mais des colonnes de l'église. Maar pilaren voor in de kerk. Et c'est pour cela nous avons vu. En daarom hadden we gezien. Et que dimanche passé, je me suis arrêté sur le Galate 2:9. Want vorige week, zondag, was ik gestopt bij de Galate. Nous avons lu cet passage. We hadden dit stukje gelezen. Qui a médité cet passage pendant cette semaine? Wie heeft dat stukje gemediteerd thuis? Personne. Amen. Amen. Alors, on peut que non, j'avais dit que non, on va le lire cette semaine. Maar ik had gezegd dat we deze week. Dans le livre de Galate, chapitre 2, verset 9. In het hoofdstuk van Galate 2:9. La Bible dit. Zet de Bijbel, staat in de Bijbel. C'est Paul qui dit que non, je vis ses fois, c'est Barnabas et Paul. Paul heeft gezegd dat hij de colonne. Ze zijn net als pilaren. Pourquoi ils sont comme des colonnes? Waarom zijn ze net als pilaren? Pour donner la même association. Dat is om te laten zien dat ze betrouwbaar zijn. Alleluia. Amen. Je vais les parler trop vite parce que je vois que nous on est en train de chercher pour vous. Ik wil niet Galate schrappen. Chapitre 2, verset 9. Galate hoofdstuk 2, alinea 9. Qu'est-ce que la Bible dit en néerlandais? Ou bien celui qui a trouvé même en français, nous pouvons lire pour la gloire de Dieu. Galate chapitre 2, verset 9. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, oui. Jacques, Cephas et Jean, qui sont regards comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions nous vers le païen. Et les incirconcis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que non. De Bijbel zegt. Jean et Cephas. Dat Jacobus. Ont considéré comme des colonnes. C'est pour travailler ensemble. Dat was om samen te werken. Pour l'avancement d'œuvre de Dieu. Zodat de kerk van God voorgaat. Parce qu'ils sont des colonnes. Omdat ze pilaren zijn. En tant que des colonnes, ils sont là pour tenir l'église de Dieu. Als pilaren zijn ze daar. Comme je l'ai dit, le travail des colonnes. Zoals ik had gezegd, het werk van de pilaren. C'est pour porter la charge de la maison. Dat houdt alles stevig vast. Parce que pour que cet bâtiment puisse tenir tel qu'il est là. Want voordat een huis kan staan. C'est parce qu'il y a des colonnes qui se tiennent pour tenir les tonnes. Même comment je peux dire, même les plafonds. Dat is, daarvoor zijn de pilaren nodig. Et le mur, son problème était que
que lorsqu'un divisé, and the mirrors are condemned to the unsecured. Chose de dehors ne puisse pas le voir. So that less from by those did que le se fasse. My mother's bird. Et Jean. Jean Gomes. Et ils sont là comme des colonnes. Et par Garnet Hospital. Et il me vient de dire ce matin. And I believe that I'm really scared. Ce que Dieu nous demande, c'est que toi et moi. Dans votre fond, nous soyons des colonnes pour l'église. Dans la pilare, bon, le voyez bien. Et c'est pour cela que je vais te montrer que notre colonne a des qualités. And now we're going to have this little pilare of qualité. Et ce message, tu vois, te demander toi-même. And now they pray, so it's of all power. On peut aussi t'appeler une colonne de l'église. Quand il y a un enfant comme pilare, nous le voyons. Et que selon ce que tu viens d'écouter, tu peux te dire toi-même que je suis le colonne de cette église. Now I'm adding what you have heard, quand il y a un enfant pilare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mais bien aimé, il faut savoir que non, les colonnes, ils sont des qualités. Nous devons être pilares de qualité. Et cette qualité, c'est ça ce que nous allons voir. And this quality is what we should see. La première qualité des colonnes. La première qualité sont les pilares. Si on construit une maison. When there is a house worth about. S'il y a quatre colonnes. When there are four pilares. Tu peux même vérifier, par exemple, dans ton salle de sport ou je ne sais pas où. S'il y a des colonnes qu'on a mis là, mais on les a entourées avec des bois. Here's a pilare. On va protéger un champ là-bas, là, l'été là. Alléluia. Amen. Et mais si on a mis des colonnes, les autres peuvent croire que non, des colonnes que je suis en train de parler, c'est les colonnes de vérité blanche. Non. Je parle des colonnes de la maison. Celles qui tiennent la maison. Die het huis tegen. Et cette colonne. And that pilar. Et est-ce que tu peux m'aider de interpréter pour mon frère comme ça, je peux m'amener avec un bon. Ah d'accord. Ok. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais essayer mon frère de mélanger tous les deux, mais que lui qu'il soit là pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque on parle de colonnes, les colonnes sont ma cousine. La lingala, hein? Les cousines. Amen. La prière peut faire ça, la ma cousine. Amen. Amen. Alors, on parle de ma cousine en dame. Même dans le pilar in house. Oui, ça peut tenir en dame. Mais il faut savoir que la Bible dit que non, il y a des qualités de colons. And the Bible says that the colons. Comme je l'ai dit que non, si il y a quatre colons. Mais aussi, il y a aussi quatre pilares. Et la quatre colons, voilà. Et par les quatre pilares. Il y a tous les quatre colons ont de même capacité et même taille. Et même grandeur. All the few pilars have all the same, all the few surfaces. C'est-à-dire que ma colonne. Donc, dès que des pilars. Ça n'a pas mis sur une tête. Sommige zijn niet klein. Et ça mis sur une tête. Andere zijn niet te groot. Mais non, c'est ça mon aîné. Ça c'est la qualité des colonnes. Donc qualité de pilar. Pourquoi on doit retourner là? Pourquoi que non, il se fait ça la tête mon corps? Mais qui va me pilar hetzelfde moet zijn? C'est pour te dire que non. Dat is om te zeggen dat. Et que toutes les colonnes sont en train de se macanabo. Dat elke pilar heeft zijn. Et ça ne dégage mon corps. Et c'est allemaal hetzelfde. Dans l'église de Dieu, in the kerk van God, il faut savoir que nous tous devant Dieu, nous sommes derrière mon corps. Vous devez savoir que pour God zijn wij precies hetzelfde. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens. Want er zijn veel mensen. Oui, parce que quand ils se connaissent, die denken dat God. Als dat kan, maar voor chérie. Dat hij zijn favoriete mens heeft. Non, puis sur ma parent, un peu vite là. Alors, on pisse ma parent. Et mes ouders. Et que toi, ça peut être ma parent ton préféré. Dat hij misschien kinderen hebben die mijn vader hebben. Mais ça m'est. Ma God. Ça va, ça la canaba fois chérité. Ma God heeft dat niet. Ça la canaba, non, il y a pas ça privilège. Il y a des mains dans mon souci. Hij heeft niet kinderen bij. Bij allen maar voor God. Toi, ça n'est que mon corps. We zijn allemaal hetzelfde. Alléluia. Amen. Et comme il n'a qu'à d'ailleurs. En omdat hij van mij houdt. N'aide pas il n'a qu'à yo. Zo, zo, houdt ook voor jou. Parce que pas dans sa maison, le mot côté, on s'en va favoriser. Want bij God zijn er niet anderen die favoriet zijn. Alléluia. Parce que d'habitude.
Want bij die beesten. Les gens croient que l'autre aime quelqu'un d'autre plus que moi. Veel mensen denken dat God van iemand anders houdt meer dan mij. Maar daarom vertel dat God niet van iemand anders meer houdt. Hij houdt van jou net als hij ook van mij houdt. Ook als je deze doos dit van apotre God. Pierre zei. Ik en nog. Dieu ne fait exception de personne. Dat God geen uitzending maakt voor iedereen. Maar degene die altijd dichtbij komen bij God. Dieu écoute leur prière et il fait quoi? Il répond. God luistert naar hun gebed en hij antwoordt. Dat is de verschil. Maar voor God zijn we allemaal hetzelfde. Maar wat het verschil maakt. Is hoe je gedraagt tegenover God. We kunnen allemaal bidden. Maar. Maar het antwoord is anders. Waarom is het antwoord verschillend? Maar we bidden tot dezelfde God. Maar papa, Dieu peut répondre à la prière de maman Chantal et pas répondre à des mamans je te pourquoi. Maar waarom kan de God de prière de Pourquoi Dieu peut répondre à la prière de maman Rachel mais sans répondre à la prière de pasteur Jean. Waarom kan God niet antwoorden op de prière? Mais lui qui se considère comme pasteur. Maar hij ziet zichzelf als pasteur. Ce n'est pas le grade qui fait la grandeur d'un homme. Het is niet wat voor graad je bent. Mais voyez pas la grandeur et à montrer sa vie. La puissance de la prière. Maar wat daarvoor zorgt is het kracht van het gebed. C'est pour cela la Bible dit. Daarom zegt de Bijbel. Priez sans cesse. Je moet bidden zonder. Et il ajoute encore un vol pour moi je te répondrai. En er zit ook nog bij hoe mij en ik zal antwoorden. C'est là où il y a la différence des chrétiens. Dat is het verschil tussen christenen. Lorsque nous prions Dieu nous répond. Wanneer wij bidden God antwoordt. Et toi tu peux prier mais Dieu te répondra. Jij kan bidden als God antwoordt. Je demande toi. Quel est le blocage qui m'empêche que Dieu ne puisse pas me répondre? Vraag jezelf dan af, wat zorgt ervoor dat God me niet kan antwoorden? Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Wij zijn allemaal veel geliefde kinderen van God. Tous ceux qui sont en Christ. De Bijbel zegt iedereen die in Christus is. Ils sont appelés qui? Les enfants de Dieu. Ze worden genoemd de kinderen van God. Moi et moi, nous sommes les enfants de Dieu. Jij en ik zijn de kinderen van God. Quand Jésus est mort. Toen Jezus dood was. Il n'était pas mort pour une groupe de gens. Hij was niet dood voor een groep van mensen. Mais il était mort pour tout le monde. Maar hij was dood voor iedereen. Ceux qui sont en Christ. Degene die in Christus waren. Ceux qui sont appelés les enfants de Dieu. Degene die kinderen van God zijn. Ces gens-là ensemble couvraient la kibago. Deze mensen daar waren Jezus, daar was Jezus. Alleluia. En sache que Dieu était mort pour toi et moi. Je moet weten dat Jezus dood was gegaan voor jou. Il a laissé une porte ouverte pour toi. Pour que lorsque tu l'invoqueras, qu'il puisse te répondre. En hij heeft een deur opengelaten zodat wanneer jij hem dat aangehoord. De en dat is de kwaliteit van de kolom. La même taille. Ze zijn allemaal hetzelfde. Parce qu'il y a personne qui peut dire moi je suis plus grand que l'autre. Want er is geen één die kan zeggen jij bent groter dan de ander. Ik zei altijd in de kerk. Ne se te considère pas. Je moet jezelf niet onder. Je moet niet tegen jezelf zeggen jij is de kerk van de kerk. Je bent altijd gebruikelijk van de kerk. Maar je moet jezelf wel zien als een pilaar in de kerk. Want een pilaar. Wat hij erop staat. Hij staat er, hij weet ook wat hij er staat. Amen. En mijn geliefde. La Bible nous demande d'être constant. En daarom vraagt de Bijbel ons dat we altijd goed zijn. Lorsque le pilier est élevé. Want wanneer een pilaar staat, beweegt hij niet meer. Alors, la constance est très important pour la vie des chrétiens. De stabiliteit is heel erg belangrijk in de vie van Christen. La constance, c'est pas les stabiles. La stabilité, c'est quelque chose d'autre. Constance, c'est quoi? En néerlandais. Constance en néerlandais, c'est quoi? Stabilité, c'est quelque chose d'autre aussi. Mais je ne sais pas néerlandais. Amen. Alors, constant, c'est quelqu'un qui a zalaka tout le temps à ça. Est-ce que vous en comprenez? La constance, c'est-à-dire, c'est que non, lui, il est là, constamment. Donc, il est en maîtrise. Constance.
Ok. C'est-à-dire que lui, qu'il lèche, qu'il pleure, qu'il est malade ou pas, il est là. C'est quelqu'un qui est toujours constant dans l'église. C'est pour cela que Dieu nous demande d'être toujours constant dans les chrétiens. Mais beaucoup de chrétiens, nous ne sommes pas constants. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans la vie de ma chrétienne? Wat zal mij tegenhouden tussen ik en tussen liefde en mijn God? Wie kan mij tegenhouden tussen de liefde en mijn God? Dat is wat Paul zegt. Want hij weet dat hij een pilaar is in de kerk. En die liefde die hij heeft, de liefde die hij heeft als pilaar zal altijd constant zijn voor God. Al reageert hij niet. On a frappé Jésus combien de fois? Hoe vaak is Jezus geslagen? Amen. On a frappé Jésus combien de fois? On a frappé Jésus 39 ou moins. Parce que la semaine Cyril comment? Les Romains. Wat in de tijd van de Romeinen? Si on te fouette. 40 fois. Als je 40 keer wordt geslagen, ton punition est finie. Is je straf voorbij. Une fois qu'on te libère, we moeten ze niet loslaten. On peut pas te taper encore. Dan mogen ze niet meer slaan. Mais Jésus a eu 39 coups. On s'arrête là. Maar hij heeft 39 stoten gekregen. Demain on recommence encore. En morgen gaan we weer opnieuw. Et si tu lis dans les livres de Paul, en als je leest het hoofdstuk van Paul, cet homme se considère comme un pilier de l'église parce qu'il sait. Paul ziet zichzelf als pilaar van de kerk. Paul aussi était frappé 40 coups moins,
5. De Bijbel zegt dat Paul werd ook 39 keer geslagen. Dat betekent dus 39 keer daarna wordt gestopt. Halleluja. Maar Paul zegt. Alles wat ik niet goed zag. En met de rest van de wereld komt de la politie. Zijn nu. Pourquoi? Waarom? Parce que à cause de l'amour de Jésus. Dat was door de liefde van Jezus Christus. Alleluia. Amen. C'est bien aimé, c'est pour cela, toi aussi et moi. Daarom jij en ik. Il faut que nous soyons constants pour l'œuvre de Dieu. We moeten constant zijn voor de zonde. Et nous soyons constants pour l'avancement de l'église de Dieu. We moeten constant zijn zodat de kerk van God vooruit gaat. Parce que tu es une colonne pour cette église. Omdat je een pilaar bent voor deze kerk. Et le deuxième mentalité de colonne. En de tweede kwaliteit. Wanneer pilaar wordt neergezet. En de rest beweegt zich niet. Ik heb nog nooit een pilaar die links is gezet. Hij zegt: nee, deze plek is niet voor mij. Ik kies er zelf voor. La Bible dit que. Amen. Wanneer pilaar wordt neergezet. Het lijkt daar ook staan. Ça nous dit quoi? Wat zegt dat ons? Ça demande la stabilité maintenant dans l'église. Dat vraagt om stabiliteit. Un colonne, c'est quelqu'un qui est stable. Et puis là, c'est quelque chose qui est. Il est là, même quand les mauvaises choses passent. Hij is daar wanneer zelfs slechte dingen gebeuren. Même quand les tempêtes frappent. Zelfs als er een storm is. Lui, il est là. Hij is aanwezig. Parce que il sait que je suis quoi? Want hij weet. Le colonne de cette église. Dat hij de pilaar in de kerk is. Et si moi, je ne suis pas là. En als ik er niet ben. Il peut porter maintenant toutes les potes. Tous les problèmes qui est dans l'église. Wie kan dan alle problemen in de kerk dragen? Si nous sommes là, als wij hier aanwezig zijn. Si nous appelons cet endroit bâtiment, als wij deze plek hebben. C'est parce qu'il y a des colonnes qui tient cet bâtiment. Dat is omdat er pilaren si zijn. Il n'y a pas de colonne, als er geen pilaren zijn. Ça va se fort. Kan het ondanks. Et toi et moi, nous pouvons pas se réunir ici. En wij zullen dan niet c'est aanwezig zijn. C'est la même chose aussi dans l'église. Dat is hetzelfde in de kerk. Dieu nous demande de la stabilité. God vraagt om stabiliteit. Reste fixe. Dat ze op dezelfde plek blijven staan. Si là, quel que soit le problème qui peut arriver. Je bent hier, maar ik zei dat het niet. Je suis là pour porter ces problèmes à travers. Je zegt, ik ben hier zo om deze problemen op te halen. Je suis là pour donner les solutions à ces problèmes. Ik ben hier zo om oplossing te vinden voor deze problemen. Je vous ai dit passé. Ik heb jullie vorige week verteld. J'ai 5 enfants. Ik heb 5 kinderen. Mais parmi ces 5 enfants là. Maar van die 5 kinderen. Ne me dis pas que non, ils s'aiment tout le temps. Je kan niet zeggen dat ze altijd voor elkaar houden. Ja, aussi quoi de querelle entre eux. En zijn ook altijd ruzie voor elkaar. Mais c'est pas les querelles là qui circulent, les divisent. Maar er zijn geen ruzie ervoor zorgen dat ze elkaar houden. Après de se bagarrer. Na een ruzie. Et il vient encore jouer ensemble. Gaan ze weer samen spelen. Ça nous montre quoi? Wat laat dat zien? Là où il y a les méchants. Waar mensen zijn. Il y a toujours des problèmes. Zijn er altijd problemen. Mais lorsque je sais que j'appartiens à la maison de Dieu qui est la famille. Maar als ik weet dat ik hoor bij la famille, y a toujours des problèmes. In de familie zijn er altijd problemen. Et on arrive à supporter ces problèmes. Maar we houden altijd problemen. Moi aussi je veux supporter les problèmes de mon église. Ik zal dan ook de problemen van de kerk supporteren. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez que moi chaque fois pour diriger l'église, c'est facile. Geloof jullie dat ik voor elke keer dat de Engelse promos bij de makkelijk? Maar waarom je suis toujours là, j'abandonne pas. Maar waarom ben ik? Il y a même des autres qui m'ont donné déjà une année. Er zijn andere mensen die hebben zelfs een jaar gegeven. Je vous dis dans une année, cette église là va se fermer. Ik zei tegen jullie over een jaar gaat deze kerk dicht. Je pouvais aussi avoir peur. Ik kon ook bang zijn. Mais comme Dieu m'a fait comme le colonne de cette église. Maar omdat God me heeft gemaakt als een pilaar in deze kerk. Je dis que je vais me tenir. Heb ik gezegd dat ik zal stoppen. C'est pas facile à diriger les gens. Het is niet makkelijk om mensen te leiden. Être ensemble avec les gens. Of aanwezig met samen met mensen. Parce que j'ai un caractère que mes parents m'ont donné. Want ik heb l'éducation que j'ai eu chez nous. Want ik heb opvoeding gekregen. Et chacun aussi ici a son caractère. En ieder heeft zijn eigen gedrag. Je crois pas que vos caractères là me plaît. Denk maar niet dat jullie de gehandelen. Mais j'arrive à supporter parce que je sais que vous êtes des colonnes de l'église.
Moi aussi, en tant qu'une colonne, nous sommes là pour se soutenir les uns et les autres. Ik ben zo ook een pilaar om ons elkaar te supporteren. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais dit une colonne qui dit à l'autre, non, moi je suis fatigué, alors je te laisse, toi porte d'abord cette charge pour quelques minutes, après moi je vais reprendre après. Ik heb nog nooit gehoord dat de pilaar tegen een andere pilaar zei, jij bent moed dragen. De colonnes savent que nous, comme nous sommes quatre, een pilaar weet al, omdat si we een zijn, als ik een klein stukje draag. Et lui aussi porte un peu, en hij draagt ook een klein beetje. Alors il y a l'équilibre dans les dan is er evenwicht in huis. C'est la même chose aussi pour nous, les enfants de Dieu. Dat is hetzelfde voor ons als kinderen van God. Het is niet voor niks dat God c'est pour que nous puissions se partager les charges de l'église. Ce n'est pas que non, une seule personne porte cette charge. Il y a des gens qui ont de cette petite idée dans leur bouche. L'église là, c'est l'église de Pasteur John. Il y a veel mensen die zeggen ja, hij zal het zelf wel regelen. C'est que si toi aussi tu es parmi ces gens-là qui te disent ça. Dat betekent dus dat jij dat ook hebt. Dan zou ik zeggen dat de kerk niet mijn kerk is. Het is jouw kerk. Alleluia. Ik ben gewoon degene die hier verantwoordelijk is. Alleluia. En de eigenaar, dat is God zelf. De kerk is ook niet mijn kerk. Maar c'est notre. Maar het is onze kerk. Si tu as l'habitude de dire, non, tu parles où dans l'église de Pasteur John. Non, tu es notre église. Als mensen ook vele vragen, ja, ik ga naar de kerk. Pasteur John n'a pas fait une église. Pasteur John heeft geen kerk gemaakt. J'ai obéi seulement la parole de Dieu. Ik heb alleen gehoord dat God heeft gezegd. God heeft mij een visie gegeven. Et je vous ai confié cette vision. En ik heb jullie deze visie gegeven. Et c'est pour cela que nous sommes ensemble. En daarom zijn wij samen. Et moi je suis aussi là pour apprendre avec vous. En wij, ik ben hier ook voor de l'église de Dieu puisse aller de l'avant. Zodat de kerk van God naar voren kan gaan. Alléluia. Amen. C'est pour cela soyons stabiles. Daarom moeten we stabiel zijn. Alleluia. Amen. Si tu n'es pas stable dans l'église, als je niet stabiel bent in de kerk, tu vas tomber. Dan zal je vallen. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas stable, iemand die niet stabiel is. Si le vent vient, als er wind is, dan neemt het hem mee. Maar als je stabiel bent in de kerk, dan moet je weten dat zelfs als er storm is, Ik blijf staan. Ik ben in de kerk. Al komt er een hele grote storm. Ik blijf altijd staan. Pourquoi? Parce que je suis stable. Dat is omdat ik stabiel ben. Ce n'est pas le problème de l'église qui peut m'empêcher d'aller dans l'église. Het is niet het probleem van de kerk. Ce n'est pas ce que maman Rachel m'a fait qui va m'empêcher d'aller prier. Het is niet wat mama Rachel m'a aangedaan. Moi, je viens parce que je cherche Dieu. Ik ben gekomen omdat ik zoek naar God. Et même si le problème m'a fait touche. En dan komen heel veel mensen. Je sais que Dieu va s'occuper. Maar ik weet dat God zich zal helpen. Maar je viens parce que j'ai besoin de quelque chose. Maar de kerk, daar kom ik naartoe omdat ik weet dat ik iets nodig heb. Pourquoi est-ce que nous allons faire ça? Waarom gaan we naar werken? Pourquoi on va travailler? Waarom gaan we werken? Pourquoi? Mais est-ce que chaque travail là que tu es en train de travailler, ton patron est bon? Bij elke werk dat je werkt, heb je een goede baas. Amen. Amen. Tous les patrons que tu as au travail. Elke baas die je hebt. Ils sont gentils avec toi. Zijn ze aardig met jou. Mais pourquoi tu n'as pas abandonné? Maar waarom stop je niet? Alléluia. Amen. Ah, c'est ça les mots qu'il faut. Parce que tu as un but précis. Omdat je het doel hebt. Même si tu m'engages. Al schreeuw je op mij. Ça me regarde pas. Même si tu te moques de moi. Al negeer je ça me regarde pas. Dat maakt mij niks uit. Mais moi je suis venu parce que j'ai besoin de quoi? De l'argent. Maar ik ben niet gekomen dat ik geld nodig heb. Qu'est-ce que ça te désagit? Al schreeuw je mij uit. J'en ai pas besoin. Ik heb het niet nodig. Ce que moi j'attends. Waar ik op wacht. C'est que la fin du mois. Dat aan de eind van de maand. Je verrai après mon pas. Wanneer ik mijn pasje. Et quand ces cartes là me dit les chiffres là que je vais. Dat mijn pasje zegt wat ik moet hebben. Vergeet ik alles. Alleluia. Amen. Hier on était quelque part. Gisteren waren we ergens. Et on était en train de parler avec de maman. En waren we aan het praten met de. Il y a aussi quelque chose.
un exemple comme celle que je viens de donner là qui est sortie en Égypte. And it's a foreshadow of the. Et maintenant, tu sais que non, il est en train de travailler quelque part. The mood is Mais son patron le maltraitait comme un esclave. Maar de baas van haar die wandelde aan de slag. Il a dit que pendant 3 ans. Maar ze zei van een jaar lang was ik daar. J'étais là. Ik was daar. Je supporte. Ik heb het voor. Ja, même le moment où j'allais aux toilettes pour aller pleurer. Maar zoals het moment dat ik daar zei, ik ben daar. Je fais quoi? Je retourne. Maar na het huilen ging ik weer terug. Alleluia. Mais pourquoi il a supporté cela pendant 3 ans? Maar waarom heeft ze dan zo lang volgehouden? Parce qu'il sait que non, je suis venu ici pour un but. Omdat ze weet dat ze daar is voor een doel. Mais c'est comme si tu sais que non, tu es venu dans cette église pour un but. Mais geliefde, je weet dat je hier bent gekomen voor een doel. Je te dis que non, ferme tes yeux. Zou je zeggen dat je je ogen moet dichten? Quand tu fermes les yeux, wanneer je ogen sluit, tu ne vas pas voir ce qui se passe à ta gauche et à ta droite. Zou je niet zien wat er gebeurt naast je? Parce que la Bible dit que les yeux sont fixés. Want de Bijbel zegt mij goed, mijn ogen zijn. Paul lui-même dit, je cours pour une prix. Paul zelf zegt, ik ren voor een prijs. Quelqu'un qui court n'entend pas le bruit des gens qui sont au tribune. Degene die rent, die luistert niet naar de prijs. Wanneer je rent. Les gens qui sont au tribune. Degene die au tribune rent. Tu es tellement plus rapide que les autres. Ze zien dat je zo snel. Et les autres qui vont commencer à te jeter les pierres. Er zijn anderen die steken naar je. Et les autres qui vont commencer à te gérer. Er zijn anderen die je zijn lijf. Et il kijkt naar. Et il court comme une perroquet. Regarde les gens là qui est devant. Kijk wat we hebben. Comme je suis là pour quelque chose. Maar omdat ik hier ben voor een doel. L'aime zijn chirurgen met je. Regarde. Alles wat ze doen, dat doet mij niet. Moi je regarde, mes yeux sont fixés sur la ligne d'arrivée. Mijn ogen zijn op waar ik naartoe wil. C'est la même chose avec l'église. Dat is hetzelfde met de kerk. Lorsque tu es stable à l'église. Wanneer je stabiel bent. Regarde les yeux, wat il va se souvenir de toi. Mijn geliefde God zal je dan herinneren. Et si Dieu là va se souvenir de toi. En wanneer God zich zal herinneren. Laisse-moi te dire que non, même les gens seront étonnés. Laat me vertellen dat mensen zich zullen verstaan. Il faut se demander qu'est-ce que ce Dieu là a fait dans la vie de cette personne. Ze zullen zich afvragen wat heeft deze God gedaan in zijn leven. Of is het zijn leven bewaard. Alleluia. Amen. Et troisième qualité de colonne. En de derde kwaliteit van een pilaar. Et lorsque on fait une colonne, et des manières plus tard, comment? Et vous voyez que dans ces colonnes, ils sont élevés en haut. C'est sûr que dans le pilier en haut, mais en bas, on a fait quoi? Mais avant, c'est rond. Alléluia. Amen. À côté ça, il y a mon Ça veut dire onder le fond, comment? Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous, un enfant de Dieu. Donc, dès que c'est un kind van God. La Bible dit que Dieu te demande d'être enraciné. De Bijbel zegt dat we voor. C'est-à-dire que non, cette colonne est regardée en haut, mais ses pieds sont haut, en bas. Dat betekent dus de pilaar kijkt omhoog. C'est-à-dire que non, une enfant de Dieu. Dat betekent dus een kind van God. Tu peux vivre sur cette terre. Je kan lezen, leven op de. La Bible dit que vous êtes sur la terre, mais vous êtes pas tu mort. De Bijbel zegt je bent voor deze wereld, maar niet van deze wereld. Mais nous ne sommes pas du monde. Et cette colonne est regardée en haut parce qu'il sait que non, moi, celui qui m'a appelé est en haut. Mais le pilaar kijkt omhoog omdat hij weet, degene die mij heeft gevoerd. Laisse-moi te dire que non, en tant qu'enfant de Dieu, laat me zeggen als kind van God. Je vis sur la terre, mais tes yeux sont en haut. Je leeft op deze wereld. Ne compte pas sur les hommes et sur les femmes de ce monde. Reken niet op mensen van deze wereld. Parce que la Bible dit, moi, tu non. Want de Bijbel zegt, s'appuiera sur l'homme. Malheur à celui qui s'appuiera la connaissance de l'homme. Vervloeking op degene die zegt. Parce que la connaissance de l'homme tue. Want de kennis van de mens tue. Celui qui se confie à l'éternel. Maar de eer degene die zegt, vertrouw aan God. Alléluia. Amen. Celui qui se confie à l'éternel, c'est celui-là qui est erré. Degene die zich vertrouwt in God is degene die de colonne. De derde kwaliteit van de kerk. Als christen van deze kerk. Je leeft op deze wereld, maar je gedachten zijn niet aan de orde. Wanneer je problemen hebt. Tombola, kijk omhoog.
C'est pour cela que David a dit, et dans vos je lève mes yeux vers les montagnes. Et quand il a et tout le monde prend le secours. Je sais que mon secours vient des cieux. Want degene die boven heeft gemaakt. Alles wat er door aarde gebeurt, is een andere die mama niet kan lopen, dat kind. Heb je gezien hoe je het kind aan het lopen kan? Nee, die kapo. Heb jij is je omhoog naar die mensen er aan het lopen, die man daar? Heb je gezien hoe die zuster met pas de zonnetje aan baas heeft je zo? Dat is omdat zijn hoofd te laag is. Zo naar pier, maar voor je zo naar pier aan het eten aan. Degene die met zijn voeten op de grond gaat. Nee, dat de pad is er pas aan. Hij kijkt niet wat er op de dag gebeurt. Als je dan alleen zo lekker wat Nicolo. Maar kijk wat er boven zich gebeurt. En même si il passe le moment difficile. En als gaat hij door moeilijke tijden. Hij kijkt omhoog en hij zegt: God, wat is er? Celui qui regarde en haut, c'est quelqu'un qui lit la Bible. Degene die omhoog kijkt is degene die. Celui qui regarde en haut, c'est quelqu'un qui médite toujours lui. Degene die omhoog kijkt is degene die op pad is. Quelqu'un qui regarde en haut, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Degene die omhoog kijkt is degene die. Hebben jij een goede relatie met God? Of is onze relatie alleen op zondag? Omdat ik omhoog kijk. Want ik niet af van de dingen die ik zeg. Er zijn mensen die zitten door het land. Maar wat doe jij aan God? En dit appelle colonne de la vérité. Maar je noemt dus een pilaar van de waarheid. Est-ce que vous attendez le mot qu'on a ajouté la colonne de la vérité? Weet je waarom ze een pilaar van de waarheid hebben? Est-ce que en toi y a la vérité? Is er in jou de waarheid? Il y a d'autres qui m'amènent quelque chose qui vient de se passer, mais lui, il te voit comme si que non, personne n'a pas vu ça. Er zijn andere mensen die liegen alsof er helemaal niks gebeurd is. Il dit sans. Hij zei: God, je mijn voix. Si le directeur de ma mère, c'est pas moi qui ai fait ça. Voor mijn moeder, ik heb echt niet gedaan. Mais il est en train de mentir. Maar hij is aan het liegen. Mais bien aimé. Mijn geliefde. La Bible dit on se montre pas de Dieu. De Bijbel zegt dat we niet. C'est que l'homme. C'est que l'homme a moissonné. Want de mens a semé, pardon, et fera quoi? Il moissonnera. On se montre pas de Dieu. Moeten we niet God. C'est que toi tu es en train de semer. Wat jij aan het doen bent. Si tu sèmes les mensonges. Als je liegt over dat, dan zul je aussi récolter les mensonges. Zul je ook alleen maar leugens vinden. Alléluia. Amen. C'est pour cela, faites attention avec Dieu. Daarom kijk uit met God. Et faites attention avec ce que vous êtes en train de faire. En kijk uit met wat je aan het doen bent. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions aller vraiment trop vite. Ik wou graag dat we iets sneller konden gaan. Ik zie dat we dit niet vandaag zullen eindigen. Ik wou graag dat we dit vandaag zouden eindigen. En het vierde deel van het ding is. De kolom. Halleluja. Pilaar. De kolom, on est même auteur. Pilaar hebben we allemaal dezelfde. Je n'ai jamais vu. Een kolom die je plus long que l'autre. Ik heb nog net een pilaar gezien die groter is dan de andere. Parce que si on fait ça. Dat is, wat, als we dat doen. Qu'est-ce que la maison deviendra? Wat zal de huis dan worden? Alléluia. Qu'est-ce que la maison deviendra si les colonnes sont en différence d'auteur? Wat zal de huis dan worden? La maison sera bâtie. Hij zal nog scheef staan. Alléluia. Amen. Mais la Bible est que non, les qualités, les quatrièmes qualités des colonnes, c'est que la colonne est la même hauteur. Toutes les colonnes sont la même hauteur. De vierde kwaliteit van de pilaar.